Eh bien salut à tous, c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test d'un petit titre indépendant qui n'est pas passé inaperçu à mes yeux et qui m'a fortement plu. Il s'agit de The Amazing Princess Sarah, titre disponible sur Steam depuis le 18 août, vendu au prix de 5€, il est encore actuellement pour quelques jours en promotion à 4,33€ si ma mémoire est bonne. C'est un titre donc qui a été développé par les studios Haruneko, à qui on doit Akane the Kunoichi. Alors je suis désolé si j'écorche le nom. C'est Akane the Kunoichi est un titre qui ne m'avait pas énormément plu dans le sens où j'avais trouvé la maniabilité un petit peu trop imprécise et du coup je m'étais mis un petit peu les nerfs. C'est vrai que les phases de plateforme étaient un peu délicates à ce niveau là. Nous allons donc voir ensemble si dans ce nouveau titre ils ont résolu leurs petits problèmes qu'ils avaient eu précédemment. Donc dans ce titre nous allons incarner la princesse Sarah qui a son père qui se trouve être le roi, qui est enlevé, vous le voyez en ce moment même, par des succubes. La princesse donc décide de s'interposer. À ce moment là un démon arrive et la propulse dans un périple qui lui devra faire traverser 5 châteaux. Ces 5 châteaux auront 5 environnements différents. Moi je vais vous proposer de voir ensemble le premier environnement et vous parler un petit peu de ce titre que j'ai trouvé fort sympathique et peu cher. Et puis bon, comme c'est la fin de l'été et la fin de mois, après on va devoir reprendre le travail ou l'école en fonction de ce qu'on fait dans la vie. Et donc du coup voilà, c'est un petit titre sympa pour terminer l'été. Donc dans ce titre la princesse aura une épée avec laquelle elle pourra taper. On pourra gagner de l'expérience au fur et à mesure qu'on tue les monstres. Et elle pourra porter les ennemis et les décors qui composent le niveau. Au niveau des graphismes on est sur quelque chose de rétro comme j'aime hein, puisque vous le savez moi les graphismes rétro ça me plaît. C'est un titre que j'ai trouvé fort sympathique. Tous les ennemis ont un attribut spécial, quand vous allez les tuer ils vont tomber au sol, vous allez pouvoir les porter et tous les ennemis donc auront un attribut spécial au moment où vous allez les lancer. Alors par exemple lorsque vous allez lancer un squelette il va se séparer en plusieurs morceaux, lorsque vous lancerez un ennemi de feu il fera surgir de chaque côté par terre une espèce de gerbe de flamme qui va avancer un petit peu à la manière de d'un Hadouken ou d'un Sonic Boom, sauf que là c'est par terre. Je ne me souviens plus la technique spéciale qu'utilisait l'un des personnages de Fatal Fury, mais bon, là n'est pas la question. Quand vous allez lancer par contre un archer, ça fera retomber une petite pluie de flèches, et plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez tuer d'ennemis, plus si vous allez vite, vous allez agrémenter un compteur de combos qui vous fera gagner plus d'expérience et donc vous montrer des levels plus vite. Donc là vous voyez par exemple je viens de franchir un level. C'est quelque chose de très frais, de très sympa. Au niveau de la maniabilité, comme je disais, leur précédent titre avait un petit souci. Là c'est pas totalement réglé, on a l'impression que le personnage glisse plus qu'il ne marche, c'est vrai. Mais ça pose pas de problème, on s'y habitue assez vite. Vous pesterez quand même à quelques moments dans les phases de plateforme, puisqu'il y a des phases de plateforme qui sont tout de même assez ardues. Mais le jeu est vraiment sous le signe d'un die and retry. Vous mourrez souvent dans le titre, vous recommencerez. Pour ce faire, il y aura des checkpoints. On vient d'en passer un à l'instant même. Et tous les levels que vous aurez glanés au fur et à mesure que vous aurez avancé, vous ne les perdrez pas. Vous réapparaîtrez simplement au checkpoint. Les vies sont infinies. Et là où il va vraiment y avoir quelque chose de spécial au niveau de ce titre, c'est au niveau des New Game Plus. Lorsque vous aurez donc terminé le jeu une première fois, ce qui vous prendra à peu près, on va dire, entre 3h et 3h30 pour parcourir les 5 châteaux, vous débloquerez des New Game Plus. Ces New Game Plus, donc, classiques, hein, donneront aux ennemis plus de force, vous rapporteront plus d'expérience quand vous les tuerez, mais il y aura ces New Game Plus des petites spécificités que j'ai trouvées très sympathiques, comme par exemple un fantôme qui vous suivra. Le fantôme donc de votre princesse, et à chaque fois que vous le toucherez vous perdrez de la vie, donc il faudra vraiment veiller à ne pas toucher ce fantôme sous peine d'une mort atroce. Donc comme je disais, les morts de toute façon vous en aurez souvent. Il y aura également un New Game Plus où vous n'aurez plus d'épée, il y aura également un New Game Plus où votre princesse sera bourrée et l'écran bougera un petit peu de gauche à droite, ça tangera. Donc c'est vraiment tout un tas de petites choses que j'ai trouvé très sympathiques. Les 5 environnements sont très jolis. Il y aura également 6 boss que vous devrez terrasser. Alors je ne vous les montrerai pas dans cette vidéo parce que je n'ai pas eu le temps d'aller aussi loin en filmant, puisque j'ai joué pour mon plaisir dans un premier temps et j'ai également joué pour vous faire cette vidéo. Donc sur toute la partie recording j'ai commencé une nouvelle partie pour vous montrer le début du jeu, ne pas trop vous spoiler la suite, et j'ai trouvé que le jeu il était sympa. Donc je vous laisserai à vous la joie de le découvrir si jamais ce petit titre vous plaît. Moi c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment sympathique. Plus on va augmenter notre personnage, plus on va devenir puissant. Et voilà, c'est un petit titre que j'ai trouvé sympa, c'est un Die and Retry. Si je devais le qualifier, je dirais que c'est un petit peu un mélange entre Super Mario Bros 2 et Rogue Legacy. Super Mario Bros 2 puisque c'est vrai qu'on va devoir ramasser des objets par terre ou
ramasser les corps des ennemis et les jeter donc sur d'autres ennemis, un petit peu à la manière de ce qu'on faisait avec les radis, les fraises, etc. dans un Super Mario Bros 2. Et un Rogue Legacy, pourquoi? Bah parce que c'est du die and retry, on meurt souvent, on essaye d'avancer comme on peut, on meurt, mais on prend des levels au fur et à mesure qu'on avance, et c'est un titre que moi j'ai trouvé sympathique, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui. Voilà, bah je vais maintenant vous laisser sur ces quelques images, en vous souhaitant de passer une très bonne fin d'été, en vous souhaitant comme d'habitude de bien vous amuser, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à ciao les amis.